Tim, écoutez, la secte se balade avec des camions citernes pour les remplir avec tout le carburant qu'elle trouve. Je crois qu'ils préparent une attaque. Ouvrez l'œil, et si vous en croisez un, faites-en un beau feu d'artifice. Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine et on commence cet épisode directement dans les airs parce que c'était la merde, je me faisais attaquer par un groupe, impossible d'être tranquille et on bombarde tout ça. Nous sommes bien évidemment sur l'épisode 10 de notre aventure sur Far Cry 5, j'espère que vous allez bien, pardon, ça n'a pas fonctionné du tout, quelle est cette sombrerie? Attendez, on y va. Oh, oh, je maîtrise plus rien! Oh! Oh, tout Jésus! Ça a marché? Oh, ça a marché, putain! Ok. Allez, on repart. Ils vous traquent, officier. Il reste encore deux camions citernes et ils essaient de les planquer. Allez, ça dégage, hein. Ça dégage, le petit silo, ça, c'était gratuit. Oh, j'ai eu tellement chaud, j'ai retenu mon souffle, les gars, j'ai marqué le cuir. Ça c'est terrible, il y aura mes traces de fesses dans ce putain d'avion. Ok, on continue les gars. Ah putain, maintenant il bouge, ça c'est terrible. Ça me fait pas peur. Allez, boum! Refaire le plein de toutes les munitions, pardon. Attendez, faut que je cours là, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette sombrerie? Qu'est-ce que c'est? Je suis bourré! Je suis rebou. Ok, j'ai mis 1000$. Non. Faut que je paye 1000$. Mais tu sais combien de temps j'ai galéré pour avoir ces 1000$? Mais qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Et j'ai payé, je crois, putain. Oh, je me suis fait arnaquer du début jusqu'à la fin. C'était un putain de combat. Ça serait plus simple de me détirer. Non, ce n'est pas la volonté du père. Amène-le à John. Il est prêt à entendre sa confession. Mes parents sont les premiers à m'avoir enseigné le pouvoir du oui. Une nuit, ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont jeté à terre et j'ai expérimenté la douleur. Encore et encore et encore. J'ai cru atteindre les limites de ma résistance. Mais non. Je me suis comme libéré à l'intérieur. Je n'avais plus peur. Je voyais clair. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. Oui. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. J'ai ouvert chacun de mes ports un à un, et une fois rempli, j'en ai créé d'autres. Mais c'est Joseph qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais toujours, je recevais le plus beau don. Mais pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on fait. Et pour ça, faut du courage. Courage d'admettre ses péchés. Pour les graver dans sa chair, supporter tout leur poids. Et après tant de souffrances, quand vous commencez à expier, les arracher tel un cancer et les brandir aux cieux de... Ça, c'est du courage.
Je vais vous enseigner le courage. Vous allez apprendre à dire oui. Pour que vous affrontiez vos faiblesses, pour que vous affrontiez vos péchés, vous franchirez un océan de douleur pour être libre. Et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez expier vos fautes. Bon, par qui je commence? Par qui? Ok, soit je dis oui, on n'en parle plus, soit j'attends, la leçon et on peut mourir, mais avec un tournevis, non c'est quoi? Ah non c'est un... Doit faire un choix. Merde, je commence par toi. Normalement il peut pas me tuer, hein. Tu ne le regretteras pas, c'est promis. Mais avant de commencer... Je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Une confession se doit d'être privée, après tout. Je ne vais pas te prendre. Je vais plutôt te la rendre. Je vais t'ouvrir en deux. Pour déverser tes frayeurs. Et ce faisant, tes péchés se dévoileront un à un. Ce n'est qu'à cet instant que tu comprendras vraiment le pouvoir du oui. Je reviens tout de suite. Ok. S'il vous faut un autre avion, revenez à l'aérodrome. On en a quelques-uns dans le hangar. Ok. Normalement, il peut pas me tuer. Par contre, je crois que je peux me tirer. Oh yes. Je peux me tirer. Mais par contre, il y avait un truc à gauche, j'aurais dû le prendre. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais je suis ridicule. Je me casse en chaise. America! Fuck, merde. Ma vie est nulle, laissez-moi tranquille. Ok, d'accord. Bon. C'était pas une corde très très solide, hein. J'ai réussi à me détacher. C'était une corde américaine. Et tenez à... sur un bout de ficelle. Ok, je vais réussir encore à me casser. Donc, ils ont réussi à me capturer pendant que j'étais en avion. Confession, mission principale. Incliner Z pour déplacer le fauteuil. D'accord, ok, vous êtes un petit peu en retard sur les tutos, les gars. Ça fait plaisir. Vaut mieux tard que jamais. Ça, je prends totalement. Ça va arracher, hein. Ça va arracher. Ça, je prends totalement un medikit. Ah, mais ils sont morts, dur. Ok. Je m'attendais à ce que ce soit autre chose. Peut-être un gigot, je sais pas. Je sais qu'ils aiment les gigots ici. Ok, on a quelque chose ici. Sûrement par là. Donc là, le but, vous aurez compris, c'est se casser. On est où sur la map, là? On peut savoir. D'accord, on est à l'autre bout. Bon, en fait, vous l'aurez compris, chaque membre de la famille de Joseph Seed sont des psychopathes. Et là, on commence sur le territoire de John. Donc, on va devoir se débarrasser de John pour aller sur un autre territoire. Je pense même qu'on peut aller sur d'autres territoires bien avant. Ouais, mais attends, je te purge, ma gueule. J'ai d'être l'homme que je voulais être. Ok. Allez, le baseball, les gars, au state. C'est tout ce qu'on aime. J'y vais à la batte, hein. On va y aller calmement. Petite phase d'infiltration, ça fait plaisir, ça. Ah, c'est une femme. Elle va prendre ce qu'elle mérite, hein. Je vais lui laver le cul, hein. Faudra pas parler chinois. Désolé, mademoiselle. Souriez, vous êtes effacé. Oh. Oh, ça doit déchirer le crâne, le bordel. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Rien. C'est bon, j'ai pas dépensé les 1000$, je suis rassuré, hein. J'ai eu un petit moment de doute. Ok, drapeau, medikit encore, grenade fumigène, fusil. Attendez, j'ai quoi là? Attendez. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je pars récupérer mon inventaire. Il y a intérêt que je le récupère, hein. Ok, c'est par ici. Concentre-toi sur ce que tu fais. Ok. Il m'a pas vu. Il est totalement aveugle. Ferme cette cellule. Dédé, vous pouvez pas faire ça.
Ça, c'est pas mal, ça. Et en faisant clic droit, je peux envoyer la batte. Allez, vous savez quoi, vous avez toujours rêvé. Ça, ça passe, ça, vous croyez que ça passe? Putain, ça passe pas. Je croyais il allait la lancer droite en pique, mais non. Il m'en reste une, je m'en bats les couilles, je l'envoie. C'est chiant. Hein. C'est chiant. J'ai été tellement ridicule. C'était ridicule cette phase, hein, on est d'accord, hein. Ça pourrait être pire, tu sais. Ici, oh, juste à te confesser. T'as clash de jambes. À l'est, par contre. Ok, on continue. Disons, allez, ça, ça me plaît. Grâce, peut vite te monter à la tête. Vous croyez qu'on va le tuer maintenant? Trouvez l'officier Hudson. Vous croyez qu'on va le tuer maintenant, John? Y'a moyen, ce serait bien, hein. J'ai perdu ma voix, les gars, à force de crier America fuck yeah à poil dans les rues. Pas de traitement de fameur. Ils sont tous égaux au Jupiter. Parce qu'on cherche à les sauver. Leur offrons à tous la même chance que le Jupiter. Et ça n'a plus d'importance. On doit stocker le carburant dans un seul endroit. Si on le répartit, ils nous remercieront. Ils nous pardonneront pour la peur et la douleur infligées. Si on peut être condamné en tant que vrai, ils acceptent. J'espère que les autres bunkers sont plus sympas que celui-ci. Je suis un monstre. Je charge. Ok, je suis un monstre. Hein. Ah, ah. Ok. Pourquoi il pue comme ça là? Ok. Hop, ça dégage. Désolé mon frérot, je t'ai mis ce que tu méritais. Hop, 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 hop. Ah, distributeur de plaisir. La drogue, c'est mal, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ok, j'ai fait une bêtise, désolé. J'ai vraiment qu'un pistolet, je voulais être sûr. Oh putain. Merci. Ok, qu'une minute. C'est terrible. Ok, donc c'est, ils arrivent à créer une drogue qui signale. Et pour l'instant, elle me fait pas grand chose. Ah, elle m'inf... Ok, d'accord, j'ai compris. Elle m'inflige des damage tout le temps. Ah, ils sont sous drogue. Ok, donc eux, c'est sous drogue. Ok, oh, bah lui, on sait pas ce qui lui est arrivé. Vache! Ok. Attendez. Ah, oh. Hop. Dieu m'a donné la foi. Puis je ne sais quoi. GG ça, GG à moi. On se casse. Hein. On se casse totalement. Putain, on l'a pas tué encore. C'est pas vrai. On va pas y arriver, bordel de merde. Hein. Ah d'accord, les arbres ils se dédoublent. Oh, ça va être assez terrible cette histoire. J'aurais peut-être dû partir. Je viendrai m'occuper de toi quand tu seras prêt. Ok, ils essayent de faire en sorte qu'avec leur drogue, je devienne comme eux, totalement prise. Cet endroit. Garde-toi de ta colère. Ok. Désolé. Tu restes ici. Voilà. Ta petite princesse comme désolé les gars. Allez, on se casse. Ça, c'est bon.
La fuite, c'est fait. Ah, c'est pas vrai, je pense que la prochaine, c'est la bonne. C'est souvent au bout de 3 que c'est le bon dans le jeu vidéo. Fouiller la zone, ça s'est fait. Et ben voilà. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de te contacter. Il paraît que John t'a chopé, j'ai vraiment eu la trouille. Je suis content que tu t'en sois sorti. Je suis désolé pour Hudson. Mais on peut pas faire grand chose sans la clé de John. Tu vas devoir la tirer dans un piège. La meilleure façon de faire ça, c'est de foutre en l'air la totalité de son opération. Donc à toi de jouer. D'accord, bon. Il est temps. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Il est temps de regarder la map. Et j'ai fini ma mission. Ah non, ça l'a pas du tout fini en fait. Monter dans l'avion de Nick, ça l'a pas du tout fini. On va y retourner. On va y retourner. Ah putain, c'est loin. C'est loin et là on a quelque chose, c'est l'église. Ah putain, il me faut. Allez, faut que j'aille l'aider. Ça peut durer très longtemps. Ah, c'est terrible. J'aurais jamais le temps de faire ça. J'aurais jamais le temps. Attendez, écoutez. On va faire les choses. Calmez-vous, ok? On va aller là. Ça me paraît pas mal. Ensuite, on va finir la quête qu'on a commencée pour Nick. Et ensuite, on ira libérer notre jeune demoiselle qui fait partie de l'élite juste après. On va racheter nos armes. C'est terrible, les gars. C'est terrible. La quête a été avortée pour le moment. J'avais quoi? J'avais ça. J'avais ça, évidemment. Donc, on va la mettre en première arme. Ça me paraît pas mal avec mes lunettes. Ok. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on... Ah, quoique, un chargeur grande cape. Ah, là, il y en a des beaux aussi. Hein. Ah, il est vraiment stylé. Hein. 7000. Hop, ça dégage. Hein. Ça dégage. J'aurais pas le temps pour ces conneries. Et là, on a quoi? Ouais. Ah, là, on a des fusils. C'est pas mal, ça aussi. Hein. En vrai. Hein. On a une lunette classique. Yes, j'adore. J'achète. Voilà, c'est fait. 1200 la peinture. C'est terrible. Chargeur grande cape en cas de petite embrouille et de litige, si je peux me permettre. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Ça, c'est fait. J'ai besoin... Allez, vendre le butin, les gars. Là, la peau, c'est fait pour être vendue, comme on dit dans le milieu, tout ce qui est vente. Ok. Voilà, ça, c'est bon. 1600. Ah, mais j'ai tout vendu. Ok, très bien. Allez, eh, c'est fait pour être vendu, hein, ça va. Hein. Je garde pas en collection, les gars. Donc on est parti, je vais prendre un véhicule. Officier, écoutez un peu. Qu'est-ce que t'as? T'as toujours un problème, quoi. Eden's Gate a créé un monstre. Ils l'ont appelé le Révélator. C'est un véritable char d'assaut. Ils essayent de reprendre les routes. Il y a une patrouille de la résistance qui se trouve sur son chemin. Ils ont besoin d'aide. Dépêchez-vous. Non, attends, attends. Le Révélator, mission principale. Non, mais oh, stop. Ah, j'assume plus. Je finis mon raid aérien, s'il vous plaît. On fera le révélateur. Ah ouais, d'accord, c'est un bordel. Ok. Ok, bougez pas, là, c'est un bordel de ouf. Je vous avoue ne pas avoir été prêt à ça. Ok, est-ce que je peux arracher le révélateur à l'aide de mon avion, bien évidemment. Je ne pense pas, mais on va essayer. Yo, les gars, il y a un houloucopter. Il y a un houloucopter. Ouais, mais non, 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 non. Ok, j'y vais, je m'en bats les couilles. Allez, hop, ça dégage, hein. Ça dégage. On va grimper. Ah merde, j'aurais dû appeler le frérot. Ok, voilà, ça c'est pas mal. Ok, vue libre et descend, d'accord. Quoi? Ah, ma vie est nulle. Oh mais c'est terrible. Oh, on va pas y arriver, hein. On va jamais y arriver. Attendez les gars, stop s'il vous plaît. Laissez-moi respirer les mecs. On est où là? Ah oh, ouais, c'est l'enfer. J'entends les cinglés qui parlent à la radio. Okay. Oh, évidemment. Ils vous traquent, officier. Il reste encore 2 camions citernes et ils essayent de les planquer. Les laissez pas vous échapper. Lui, on va lui parler comme ça, on aura un trésor à l'avenir. Ok. Les Lorrains nous ont informé que leur bunker les couilles. Ah non, putain, on est obligé de l'écouter jusqu'au bout. Oh, c'est terrible. Les Lorrains nous ont informé que leur bunker était compromis. Une inondation. Ils ont vidé les lieux, mais ils nous ont dit qu'on pouvait se servir si jamais on trouvait quoi que ce soit. Allez, ça dégage. Bon, on a un nouveau trésor qu'on prendra plus tard. Attends, mais j'ai pas le temps, les gars. Arrêtez. Arrêtez de me mettre ce que je mérite, ça, c'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Ok, c'est parti, c'est par ici. 400 mètres, on va récupérer notre avion. On va bombarder tout le bordel, là, tout le bousin. On va arracher le char. America. Fuck yeah. Et voilà. Comme chaque fois que je prends une voiture dans Far Cry 5...
on termine au fin fond d'une rivière. Je sais pas combien j'ai mis de voitures en tout dans la rivière, mais il doit y en avoir un sacré paquet. C'est moi qui vous le dis. Putain, c'est terrible, on va jamais réussir à aller une mission avec une voiture qu'on a pris d'un point A à un point B. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh, c'est l'Amérique, on adore les gars, avec tout ce qui est américain. Ok, Folzel par ici. Peut-être prendre mon snipe, non, je sais pas, t'en penses quoi, mon petit boomer? Suis-moi, mon frérot. Hein. Si on se fait aggro, on arrache tout. Je vais pas me faire arracher encore. Je vais pas me faire arracher encore. Non, c'est trop, les gars. Ok, il m'a pas. Allez, on récupère. C'est quoi ça? Oh non, mais les dindons, ça va aussi. Hein. Vas-y, arrache-le. Arrache-le. Ok, c'est bon, on a réussi à arriver vivant. Ça, c'est principal. On y va, on reprend ça. On détruit. Et après, on va faire la quête principale. Montez dans l'avion de Nick. Allez, c'est parti. Pendant qu'on y est. Oh, c'est terrible, hein, les gars, tout ce qui se passe. Hein. Eh, mais par contre, la vérité, je meurs. C'est le Far Cry où je meurs, je pense, le plus souvent. Je vous cache pas que c'est pas. C'est assez compliqué, hein, cette histoire. Hein. On est parti, c'est à combien de mètres, les gars? Oh là là, attendez, je sors mon plan de. Ok, ah oh, ouais, vous êtes à l'autre bout du monde, putain. J'ai peut-être mieux fait de faire le gros char, je sais pas. Ok, on va attendre un petit peu. On va voir comment ça va se dérouler. On prend un petit peu de hauteur par la même occasion. Ça, ça va me coûter 1000 balles de plein. En fait, si l'avion est bien pour faire les missions rapidement, mais à mon avis, ça doit coûter vraiment une blinde. Parce que sinon, ça serait trop facile de faire toutes les missions avec, avec cet avion. Mais j'ai bien kiffé m'échapper de chez John, là, de son bureau. De son bunker plutôt. Parce que c'était un bureau comme ça, frère. Je sais pas ce que t'as dans le crâne, mais ça doit être terrible. On est presque, on prend encore un tout petit peu de hauteur sur un malentendu. Pas si je peux le toucher d'ici. Ça me paraît trop beau. Wow. Ok, c'est bon, on a redressé. Quoi? Ok, on a redressé. Il tire dessus, hein. Il me tire dessus, c'est terrible. Ok, on a ça aussi arraché. Je m'en occupe. Ça, c'est des points, je prends. Je prends, c'est gratuit. Allez, on est reparti. Faut se restabiliser. Ok, c'est bon, c'est à 200 mètres. Ça va vite, hein. Heureusement, heureusement que c'est lent, hein. Heureusement que j'ai pas plus rapide, finalement. Ok. Allez, ça dégage. Ça dégage totalement. Il reste encore quoi, là? Oh non, abusez pas, les mecs. Quoi? Ok, on y va. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Détruisez les hélicoptères! Oh, ça, c'est compliqué, cette histoire. Hein. Allez, on est parti en course-poursuite dans les airs. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on a une quête principale qui nous attend. Nick m'a appris à piloter pour notre troisième rendez-vous. Je suis tombée amoureuse de la vallée. La vie était plus simple à l'époque. D'accord. Je vous explique à la fin de qu'on a détruit ces deux hélicoptères. Je vous explique ce qui va se passer ensuite. Parce que j'ai déjà le plan pour l'épisode 11 et ça va être incroyable. Mais par contre, j'ai l'impression de ne jamais y aller. Mais c'est quand même, on avance. Mais en fait, les distances sont énormes. Parce que regardez, on voyage bien quand même. Hein. On avance, hein, mine de rien. Très lentement, c'est très bizarre. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans l'aviation? Dans les commentaires, c'est possible. Ne rigolez pas, c'est possible. Ou qu'ils ont déjà fait un petit tour. Est-ce que c'est aussi lent en vrai? C'est possible, hein, c'est fort possible, mais justement, je m'y connais pas. Ça a l'air lent, mais ça l'est pas vraiment. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça, ça dégage, hein. Ça dégage totalement. On aurait dit que c'était le 4 juillet. Ok. Allez, abuse pas. Oh oh. America! Ok. Ok, ok, c'est rien, c'est rien. Ça arrive. Hop, ça retourne le crâne. Hein. Ça retourne totalement le crâne. Il est plus résistant que les autres. Allez, arrête un peu là! C'est pas vrai! Normalement, je devais être mort depuis bien longtemps! Mais il est résistant, ce con! C'est pas un hélicoptère, frère! Merde! Je vais l'arracher en lui fonçant dedans, c'est n'importe quoi! C'est le Montana, c'est ça qu'on aime, putain!
Oh, ça pète de partout, ça... Et ben voilà! Alors l'autre, une demi-balle, on n'en parle plus. Merde. Détruisez l'avion, Grélu. Pardon? C'est un peu les forces spéciales des okay. Ça plaisante plus, faites gaffe. Waouh! Ok, pense ensuite, hein. Oh, ça tourne le crâne, hein. Pas mal. Ok, faut que je... C'est dur, hein. C'est pas mal. Voilà, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un monstre. C'est pas mal, ça. Quoi? Encore? Allez, un petit 360 noscope. Vous allez faire de l'ombre à Nick. Son ego va se dégonfler plus vite qu'un ballon des Patriotes. Et voilà, mission complete. Ça, c'était pas mal du tout. Par contre, je suis pas vraiment en bonne santé. Je sais pas comment prendre le truc. Donc, les gars, on va s'arrêter là. Je vais essayer de me poser. Je vais me poser calmement. Oh, ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Un petit silo, les gars. Je prends volontiers. Ça, faut prendre. Voilà, ça dégage. Tout ce qui traîne, vous savez que c'est pour moi. On va se calmer. Voilà, on va s'arrêter ici. On va descendre en même temps. On est à Volzen, là, non? Ça me dit quelque chose. Allez, hey, je te laisse ici, ton avion, tu m'en voudras pas, frérot. Ça, c'est fait. On montre la carte. Je pense qu'on va s'arrêter là, évidemment. Nous sommes bien à Volzen. Donc voilà ce qu'on va faire, prochain épisode, d'accord? Ah, quoique, vous savez quoi? J'ai envie de me faire un petit plaisir, on va aller chercher le trésor. Prochain épisode, on fait 7 quêtes. Donc le révélateur, qui est une quête principale. On doit détruire un tank assez strong. Je pense qu'on prendra l'avion encore une fois. Et après, on ira à l'église pour sauver la demoiselle. Et je pense que ça enchaînera sur une autre capture de la part de John Seed. Et ça mettra fin à toute la région. Donc épisode 11, on clôture tout ça. On est parti, je vais prendre une voiture qui traîne quelque part. Oh, c'est pas mal ça, attendez. Est-ce que je peux pas juste l'emprunter? Ok. C'est quoi? Je la prends? Ok, là normalement je crois que si je reste appuyé sur G, je dis à Boomer de me suivre. C'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Non, il veut pas, hein. Les gars, vous êtes gourés de touches. Dites-moi c'est quelle touche. Peut-être que sur manette, pour rester appuyé sur le même bouton. Mais en tout cas, là, c'est pas G. C'est pas grave. Barrage routier. Ouais, pourquoi pas. Je peux pas souvenir avoir détruit un barrage routier. Juste tué deux gars. Direction notre trésor. Allez, on finit pas dans l'eau cette fois-ci. Ça serait pas mal. Hop. Oh, ça commence à drifter. Hop. Yo, les gars. On m'a dit qu'il y avait un trésor par ici. Vous confirmez ou pas? Oh non, je vais mourir. Ma vie est tellement nulle. Mais ils servent à rien, les mecs. Oh, je vous ai libéré, venez m'aider. Boomer, frérot, s'il te plaît, il est à 20 mètres, il bombarde. Ça, c'est mon chien sûr. Allez, mon Boomer. Non, non, ça, c'est une quête. Oh, il s'en bat les couilles. Allez, mon Boom. Allez, Boom, Boom. Merci, mon frérot. Ça, c'est un gars, ça. Meurs, hein, s'il te plaît, hein, c'est chiant. Hein. Je sais bien que tu fais partie de l'élite. Arrête un peu. Arrête un peu. Arrête, arrête. Meurs. C'est pas vrai celui-là, hein. Alors, j'ai plus de balles. Avec vos conneries là. Ok. On est parti. Donc il y a un trésor là-dedans. J'y vais volontiers, je le veux. Allez, mon cher ami, on s'en bat les couilles. Boum. C'est par où? C'est par ici. Boum comme Boomer. Excellent. Ce chien devrait avoir une cloche. Non mais toi, ouais, bah toi, ça serait bien que tu restes... la merde celle-là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir tirer, je suppose. Très bien. Ma petite femme, on ne réussira pas à vider le bunker à temps. J'ai rempli la voiture, va falloir filer avant d'arriver. Ok, on va devoir laisser ce qui est là-dedans. Ça m'étonnerait que ces cinglés sachent retenir leur respiration assez longtemps. Très bien. Ok, donc je vois. Faut aller dans l'eau. Et c'est tout simplement... C'est tout simplement sous l'eau. Mais alors où? C'est très bizarre. Attendez, hein. C'est le seul point d'eau que je vois par ici.
Retenir la respiration assez longtemps, très bien. Bon, c'est dans un point d'eau, hein, vous l'aurez compris. Ok, Boomer, attends, parce que là, ils sont chiants. Les mecs, ils sont partout, c'est horrible. Dans Far Cry, les mecs, ils sont partout. Peut-être sous le pont, hein. Quoique, non, il y avait un autre petit point d'eau à côté. Alors, perso... Ok, c'était juste ici. Heureusement, je suis pas allé bien loin. Carte magnétique. Très bien. J'ai une carte magnétique. C'est tout? Ça me paraît trop simple. Je pensais qu'il y avait un petit chemin à faire sous l'eau, non? Ok, même pas, d'accord. Hop, je déverrouille. Ah! Je ne m'attendais point à ça. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la cache n'est pas là, hein, forcément. Ok, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, ça vide l'eau. Ok. Ça commence à être chaud, hein. Ça commence à être ric-rac. Reviens, mon frérot. Hein. Allez, lève-toi, c'est rien. Je commence à être ric-rac niveau munitions. Viens, on se casse. Hein. On se casse. Attends. Voilà, c'est bon. J'ai cru que j'allais pas prendre l'échelle. C'est pas mal, c'est un petit trésor à récupérer. Yes ! Putain, les gars, j'ai perdu. Ah ouais, j'ai perdu ma pelle. Allez, ça c'est fait. 3 points de compétence. Un max de thunes. Ça c'est cool, crocheter, bah oui on peut crocheter maintenant. Et ça c'est encore plus cool, ça évite de niquer des explosifs. Je crochète volontiers. Hop, on a un fusil à pompe en plus. Mais j'ai déjà Ah quoique. Au moins ça utilisera pas les mêmes balles. Et ça c'est pas mal. Et ben voilà, j'ai bien vidé la planque. J'ai bien vidé la planque. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très cool. C'était très sympa, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous ai dit le programme du prochain épisode. J'espère que ça vous fait plaisir et à mon avis, on va pas tarder. Bam! Bam! Et ça dégage. On va pas tarder à mettre fin au règne de John. Hop. Ok. Bougez pas. Erika! Hop, ça dégage. Oh, il t'a pris ce que tu mérites. Toi, t'es chiant. Toi, t'es chiant. Oh putain. D'où Jésus? J'ai 3 HP. Boomer? Tu fais quoi, frérot? Il est mort? Je crois qu'il est totalement mort. Allez! À très vite, tout le monde! À bientôt pour le prochain épisode! Ciao, ciao!